comme dans une journée d'isolement à New York. Quelle histoire, faut que je vous raconte, faut que je me pose et que je vous raconte toute l'histoire. Vous avez dû sûrement le voir en story sur Insta. Bon, en gros, pour faire simple, j'ai attrapé le Covid pendant mon voyage à New York, voyage de 2 semaines. Donc la semaine dernière, j'étais avec mon copain et cette semaine, je devais passer donc toute la semaine toute seule à bosser, à faire du contenu, à vous faire découvrir la ville dans des vlogs et tout. Bah, je sais pas si c'est avant de partir ou pendant le séjour que j'ai attrapé le Covid, mais en tout cas, il est bien là. Là, c'est mon dernier jour d'isolement. Ici, c'est 5 jours. Donc voilà, la première semaine, c'est à peu près bien passé. J'ai quand même pu vachement profiter avec mon mec, même si je suis un peu triste parce que pendant 3 jours, j'étais quand même hyper mal. Et c'était horrible parce que je comprenais pas pourquoi, vu que j'avais fait un test, il était négatif. Donc voilà, j'en voulais un peu à mon petit corps d'être comme ça. J'avais un mal de tête immondesque et bah, je m'endormais partout. Dans le métro, j'étais comme ça. Mais on a pu quand même faire plein de trucs. Et donc là, voilà, en arrivant dans ce Airbnb, j'avais mon test positif et donc bah, j'ai dû m'isoler un petit peu. Forcément, au début, j'étais un peu triste parce que bah, voilà, tous mes plans étaient un petit peu ruinés. Et puis en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'est une grande chance d'être là. J'ai déjà eu le Covid une fois et je peux vous dire que ça ressemblait pas à ça. C'est à l'époque, c'était 14 jours d'isolement. Le confinement, n'en parlons pas, c'était compliqué. Mais alors là, avec une vue pareille, ça ne peut que aller. Ça fait bientôt 2 semaines que je me réveille à 5h30 tous les matins, naturellement. Et là, ça me dérange pas du tout parce que je me pose ici et je regarde tous les matins le lever du soleil. Et c'est le plus beau spectacle de la vie. Voilà. Après, j'ai hyper hâte d'être demain. Il me restera 2 jours pour kiffer. Donc là, je vais me réveiller à 5h et je vous emmènerai avec moi et je vais essayer de rattraper le temps perdu. Aujourd'hui, le projet, c'est de ranger un peu cet appart, de faire un peu le ménage aussi. Oups, pardon. D'essayer d'éradiquer tous les petits microbes qui s'y trouvent. Parce que là, c'est sûr, le Covid, il est partout autour de moi. Il me regarde là. J'avais envie de prendre la caméra aujourd'hui pour avoir un petit souvenir d'isolement à New York et de cet appart qui est fabuleux. Faut que je vous montre un petit peu. Ah non, mais je vous montrerai quand ce sera rangé. Donc voilà, là, je vais m'atteler au ménage. Et ensuite, à 11h, j'ai un call avec la personne avec qui je bosse, qui n'est autre qu'une de mes meilleures potes, donc c'est fabuleux. On doit avancer sur un petit projet que j'ai pour le mois de février. Des petites surprises sur mon compte Insta et il faut mettre tout ça en place. Donc voilà, là on doit finaliser un petit peu toutes nos idées, mettre ça au propre et commencer un petit peu à contacter certaines marques. Ici, aéré, ça fait un petit peu peur. Je suis juste au 14e étage, mais à part ça, ça va. Petit outfit de quarantaine, ce petit top, enfin un petit pull que je peux pas mettre dehors parce qu'il fait beaucoup trop froid. Donc je le mets en ce moment avec un petit jean que j'ai acheté la semaine dernière à New York. C'est basiquement un 501 de chez Levi's. C'est mon premier parce qu'avant je trouvais que ça m'allait absolument pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on est bien là-dedans. Bon, il est déjà un peu trop grand parce que bah il s'est déjà détendu. Mais la taille en dessous, je rentrais pas dedans. Donc bon, bah j'ai pris celui-là. Et les meilleures pantoufles. J'étais hyper fière dans ma vie de n'avoir jamais craqué pour des Uggs de toute ma vie, j'aimais pas ça. Mais l'appel des pantoufles a été trop fort. Ces chaussons sont d'un confort, c'est sublime. Donc voilà, je ne les quitte jamais, je les emporte même en voyage. Et je me demandais, est-ce qu'on commande à l'avance pour pouvoir faire des stories un peu jolies en unboxing ou machin? Bon, il est 16h30,
Et j'ai eu un petit coup de tristesse, je vais pas vous mentir. J'ai juste réalisé que dans 2 jours et demi, je rentrais à la maison. Et j'ai pas trop envie de partir. Du coup, quand on est triste, qu'est-ce qu'on fait? On mange, absolument. C'est quoi un griddle or skillet? Je pensais avoir un bon niveau en anglais jusqu'à ce que j'essaye de comprendre une recette de cuisine. Qu'est-ce que c'est ça? En même temps, personne n'utilise le mot poêlon en anglais. Ça, c'est vraiment des trucs d'américains. C'était 3 œufs entiers. On dirait une omelette. Tous les matins, je vous tiens au courant sur Insta, niveau lever de soleil, où on en est. Il est pas mal, il était très décevant au début. Et finalement, il se réveille un peu là. Il serait temps, en même temps, il est 7h15. C'est parti, avant-dernier jour. Bon, du séjour. Je suis prête à kiffer ma journée, j'ai trop hâte. Bon, du peu de goût que j'ai, le brunch était top et ça m'a coûté que 22$. Ce qui pour New York n'est pas si cher, voilà. Surtout en ce moment, j'ai trouvé que les prix avaient vachement augmenté. On est pas mal à dire ça, mais franchement, sur tous les points, la vie était déjà très chère ici, c'est New York. Mais là, c'est assez impressionnant. Là, je vais me balader un peu dans Williamsburg. Je vais attendre 11h que les magasins ouvrent, parce qu'ici, ouais, le dimanche, ça ouvre très tard. Il y a quelques magasins que j'ai envie de faire. Il faut que je me trouve un journal pour 2022, enfin un carnet. Parce que j'aime bien, tous les ans, me prendre un nouveau journal où j'écris plein de trucs. Voilà, je me suis même pas encore posée pour faire mes petites envies pour 2022 et tout. Pas de grosses résolutions, mais juste des petits goals que j'aimerais. Petit retour à la maison en express pour changer de chaussures parce que les Converse et le froid, c'est pas une histoire d'amour. J'ai juste acheté 3 trucs dans ce magasin de déco BIM qui est incroyable. J'ai juste pris des petites pailles réutilisables comme ça. J'en avais déjà en métal. C'est un peu random comme achat, mais en fait, il y a exactement les mêmes dans le Airbnb et j'ai flashé dessus. Et dans l'autre magasin, j'ai pris des petites bougies comme ça. J'adore les bougies longues, je trouve ça trop joli sur les gâteaux. Et j'en avais besoin pour un projet, pour une photo Insta. Vous verrez ça prochainement. Et je me suis pris du coup mon journal pour 2022. J'ai pris un Moleskine classique. Celui-là, il a pointillé et c'est la couverture souple. Voilà, j'ai hésité vraiment pendant 10 minutes sur la couleur. J'avais l'impression de faire un choix, mais... ultra important, voilà. Donc j'ai hâte de le remplir. Ces deux magasins collés là sont beaucoup trop mignons. Là ils vendent des stylos, juste des stylos. Et là c'est plein de carnets, de papeterie, mais genre de qualité de fou. C'est magnifique. Bien sûr, hier quand j'étais enfermée, il faisait un temps magnifique, ciel bleu et tout. Là il pleuviote, il fait froid et c'est tout gris. Même Soho qui est magnifique en temps normal. Look! De ma trouvaille, c'est vraiment une taqueria comme au Mexique. J'y étais cet été, alors ça me rappelle des petits souvenirs. Le premier tacos, j'ai pris avocado tostada, je crois, et c'est juste de l'avocat avec du fromage frais dessus, des pickles d'oignon. Là, j'ai pris poulet mariné, poré, porc. Vous allez dire que je fais que bouffer, mais c'est la vérité.
Genre là, il faut absolument que je finisse mon repas sur une touche sucrée. Et je l'ai pas eu là au Mexicain. Donc je vais partir à la quête d'un petit donut. Parce que pourquoi pas? Moi ça fait vraiment partie des vacances. Manger tout ce que je veux, kiffer, profiter un petit peu des mets américains. Qui sont pas vraiment de la grande gastronomie, mais ça fait plaisir. J'ai rendez-vous là à 16h30 au Summit One. C'est une nouvelle attraction dans un building avec une jolie vue, des miroirs partout et tout. J'ai vu ça sur Insta, tout le monde en parle. Voilà, les avis sont assez mitigés, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis, mais j'avais trop envie de refaire là un point de vue sur New York avant de partir. Et du coup j'ai rendez-vous là-bas, je vais retrouver une copine de copine, donc ça va être cool de voir quelqu'un. Et là j'ai 45 minutes de marche pour y aller, donc ça va être trop cool, c'est mon truc préféré, marcher. J'ai fait un petit tour dans une fripe, mais franchement les prix ici, des fripes ça vaut pas le coup, enfin dans Manhattan en tout cas. La semaine dernière j'ai fait le tour de plusieurs fripes dans Brooklyn, le vrai Brooklyn, et franchement ça valait trop le coup. C'est dans ma story à la une sur New York. Regardez sur quoi je tombe. Ça a l'air parfait ça. Oh waouh. Give you the world like I promised.